du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce 19e dimanche du temps ordinaire de l'année A, Jésus nous apporte la consolation et l'assurance par un appel à la confiance. Devant nos peurs, nos doutes et notre manque de foi, il nous dit « Confiance, n'ayez pas peur ». Il est là encore comme tant de fois dans notre vie. Le Christ nous rattrape sur nos chemins de peur et de découragement. Il nous rejoint au soir des tumultes de la vie, pourvu que nous sachions le reconnaître. Alors, dans le silence de notre Eucharistie, où il se fait présent en ce jour, crions notre détresse de pécheurs en demandant le pardon de nos fautes. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Thank you.
notre Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à l'Europe, la montagne de Dieu, il entra dans une caverne et y passa la nuit. Le Seigneur dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À l'approche du Seigneur, il a eu un ouragan si fort et si violent qui fendait les montagnes et brisait le rocher, mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il attendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et s'étend à l'entrée de la caverne. Parole du Seigneur. La lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères,
C'est la vérité que je dis dans le Christ. Je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage dans l'Esprit Saint. J'ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante. Moi-même, pour les Juifs, mes frères de race, je souhaiterais être anathème, séparé du Christ. Ils sont en effet israélites. Ils ont l'adoption, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses de Dieu. Ils ont les patriarches. Et c'est de leur race que le Christ est né, lui qui est au-dessus de tout. Dieu béni pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent, « C'est un fantôme !» Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt, Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi. N'ayez plus peur. » Pierre prit alors la parole. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant la force du vent, il eut peur et, comme il commençait à enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et ils lui dirent, « Vraiment,
tu es le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Confiance, c'est moi. N'ayez pas peur. Chers frères et sœurs en Christ, voilà un message destiné à des chrétiens qui sont pris par le découragement, qui connaissent l'angoisse, l'épreuve, la contradiction et qui ne savent pas comment rencontrer le Seigneur et où le trouver. Pour ces gens, Élie est un modèle par lequel nous pouvons retrouver en un moment ou l'autre de notre vie qui a des difficultés qui, sans le Seigneur, ne peuvent trouver de solution. Pour ces gens, Élie est un modèle par lequel nous pouvons retrouver plus de confiance. Élie devient errant. Il n'en peut plus. Il a atteint les limites de ses possibilités humaines. Le vide s'ouvre devant lui. Sa vie lui paraît inutile, sans valeur, sans signification. Il demande la mort comme Jonas. Dans sa fuite et devant l'effondrement de toutes ses certitudes, il demande à Dieu de lui reprendre la vie. Reprends ma vie. Je ne vaux pas mieux que mes pères. Il n'est pas rare de faire l'expérience ou de croiser certaines situations semblables qui, dans leur côté sombre, nous amènent à être pessimistes et découragés. Beaucoup de situations, comme la maladie, le chômage, les problèmes de vie conjugale, nous amènent souvent à nous poser des questions existentielles qui nous aident à comprendre notre finitude humaine. Mais comment faire alors l'expérience de Dieu devant certaines situations? Comment apprécier le secours divin face à nos attitudes défaitistes? En écoutant les textes qui nous sont proposés, nous percevons a priori l'expression d'un drame, une situation d'urgence. Il s'agit de quelques tragédies bibliques, de peur et de doute, qui viennent s'ajouter à nos tragédies personnelles et singulières dans lesquelles il est difficile de percevoir la présence de Dieu. Dans les moments difficiles de notre propre existence, où peur et doute nous submergent, il est plus difficile de le reconnaître à nos côtés. Alors on se demande si la foi à laquelle on s'accroche n'est pas une illusion ou une utopie. Jésus marchant sur les eaux pour venir au secours de ses disciples est méconnu. Cette croyance, bien sûr populaire aux esprits hérités de l'animisme, a de nos jours le même surgissement dans la conscience de beaucoup d'entre nous. Dans l'Évangile, les disciples sont d'abord paralysés par l'incrédulité de la peur. C'est un fantôme. Nous aussi, chrétiens, de peu de foi, nous sommes souvent incapables de discerner dans les événements et les méandres de l'histoire de notre vie la présence du Christ qui vient à nous. Telle épreuve, telle maladie, telle angoisse, et nous perdons pied. Notre confiance et notre amour pour le Christ parfois se refroidit. Frères et sœurs, notre foi se prête souvent à du fantôme, à de l'illusion et de nos jours à du virtuel. Comme les disciples, il nous arrive de prendre Jésus pour un fantôme de par le regard que nous portons sur lui ou bien par le mode de présence que nous attendions de lui. Dans nos cris de détresse, comment faisons-nous appel à lui? Aujourd'hui, combien de chrétiens s'arrachent encore les huiles des étalages? Quel usage pour les fontes de cierges de Pâques?
Ce regard souvent fétichiste nous porte à revisiter notre foi. Sommes-nous prêts à renoncer à nos représentations spontanées de Dieu? Nos imaginations si faciles à un Dieu bouche-trou, à un Dieu suppléant de l'homme, sinon un fantôme comme celui que les disciples ont cru apercevoir. Au milieu de ces questions et de nos doutes, avons-nous le réflexe de saisir la main que le Christ ressuscité nous tend? Lui seul qui vit désormais en Dieu est capable de nous arracher de nos chimères et de nous indiquer le chemin qui mène à la vie. Mais pour avoir la vie et pour atteindre l'autre rive, nous avons à faire cette traversée. Le récit de la traversée de la mer agitée, qui illustre une période historique difficile que la communauté de Saint-Matthieu a eu à traverser. D'une part, la barque mise à dure épreuve par la mer agitée rappelle les épreuves et les revers que cette communauté matthéenne a eu à essuyer dans l'histoire. De l'autre, la peur, le manque de foi des disciples, les tergiversations de Pierre qui a failli se noyer dans la suite du Christ font penser à une probable crise de foi qui s'effissait dans la même communauté. En effet, seule la présence de Jésus l'Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu parmi nous, ramène le calme et rétablit la situation. Évidemment, nous avons tous fait l'expérience de la solitude dans l'épreuve. Il nous arrive d'être comme les disciples dans la barque battue par les vagues. Certainement, en un moment donné, l'instinct de vie a dû l'emporter sur la raison de foi, et pourtant, il n'est jamais loin. Il n'est jamais loin, ce Christ. Il est présent dans le murmure de notre cœur. Sa présence dans le signe d'une brise légère n'est pas que du vent. La théophanie d'Ili nous rappelle et nous révèle qu'il y a de nouvelles manières de regarder le Christ. Une nouvelle manière que Dieu se donne à se connaître. Il n'est pas présent dans l'orage, ni dans la tempête, ni dans le tremblement de terre, mais dans le murmure d'une brise légère. Ce n'est pas une présence éphémère, mais elle pourrait nous aider à revoir notre façon de le chercher. Un nouveau style de communication de Dieu est inauguré ici, dans le silence d'une relation personnelle. Frères et sœurs, avec confiance, profitons de nos chapelles domestiques pour entrer en nous-mêmes. Entrons dans la grotte de notre cœur et écoutons le Seigneur dans le silence de notre prière. Saisissons ce moment pour apprivoiser le silence intérieur. Réapprenons le silence dans nos églises, dans nos liturgies et surtout dans notre vie. Il faut le dire, le silence n'est pas simplement l'absence d'un bruit extérieur, mais aussi le calme dans la pensée et l'imagination. Le silence aide à la concentration et à la mémorisation. Le silence rend possible l'écoute, c'est-à-dire l'accueil non seulement de la parole, mais aussi de la présence de l'autre. Le silence nous apprend à nous connaître. Il est le gardien de l'intériorité. Il creuse dans nos profondeurs un espace pour y faire habiter l'autre. Dans nos difficultés, hélas, il n'a pas été toujours facile de ressentir la présence de Dieu. Pourtant, il est à percevoir et à reconnaître dans le murmure tout simplement du souffle de la vie. La présence de Dieu dans la brise légère offre un beau paradoxe. C'est l'image contradictoire de la notion erronée sur la toute-puissance de Dieu. Cette différence de perception oblige chacun à comprendre qui est Dieu. À nous d'y être plus attentifs et d'en prendre les moyens comme Élie et comme les chercheurs de Dieu que nous sommes. Mettons-nous sur la bonne direction, contre vents et marées, continuons à ramer dans la foi. C'est surprenant peut-être comme itinéraire chrétien, mais les disciples en ont fait l'expérience. Si géographiquement, la barque des disciples a eu du mal à atteindre l'autre rive, on aura remarqué que ces mêmes disciples
ont eu néanmoins à effectuer un parcours spirituel réussi. La véritable traversée opérée par les disciples n'est-elle pas le passage de la peur et de l'incrédulité à la foi, le passage d'un cheminement agité sans Jésus à un parcours apaisé parce que habité tout simplement par la présence du Christ. L'autre rive n'est-elle pas celle d'une foi mûre et consensuelle que les disciples expriment finalement à la conclusion d'un récit par une profession de foi collective ? Vraiment, tu es le Fils de Dieu. Chers frères et sœurs, le parcours des disciples fut-il désorienté géographiquement ? Il ne l'est pas pour autant au niveau du cheminement spirituel qu'ils ont effectué au cours de ce voyage. En tout cas, ils ont atteint l'autre rive, celle d'une foi adulte, appuyée par la certitude de la présence réconfortante du Seigneur. Dans le désert, la fuite d'Élie va se transformer aussi en expérience religieuse. Le Seigneur le rejoint, le remet sur pied, il le confirme dans sa mission. Nos moments de découragement sont souvent aussi des temps de grâce où Dieu nous visite. Et c'est alors avec une foi nouvelle que nous sommes invités à repartir. Alors, en ces temps difficiles et périlleux, où tous dans la foi nous ramons en contre-courant de la situation qui prévaut, demandons au Seigneur d'étendre sa main sur nous pour que nous puissions avancer en Église comme les disciples, en sachant que lui-même nous tient par la main. Qu'il nous remplisse d'une foi attentive au murmure de sa présence pour que nous soyons de confiants chercheurs de Dieu dans les agitations de ce monde, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Ensemble, nous nous levons pour professer notre foi. Thank you.
élargissons notre supplication à la mesure de la charité du Christ et présentons au Père les intentions de tous nos frères, les humains. Ensemble, prions le Seigneur. Ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Seigneur, nous te prions pour les chrétiens qui sont à ta suite, à travers les difficultés de la vie. Augmente la foi à chaque croyant, notamment celle des responsables de ton Église. Qu'ils sachent consacrer avec joie leur vie au service du peuple que tu leur confies. Nous t'en prions. La barque était battue par les vagues, car le vent était contraire. Seigneur, tu sais bien qu'il y a des personnes qui travaillent et qui vivent du monde de la mer, notamment les pêcheurs, les marins et leurs familles. Aide-les à surmonter les tumultes vagues qui menacent sans cesse leur vie. Nous t'en prions. Tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur. Nous te confions, Seigneur, tous ceux qui commencent à perdre pied, ceux qui sombrent dans le désespoir, ceux qui n'ont plus la force de crier vers Dieu. Amène leur cœur vers toi et révèle-toi à eux comme la source véritable du bonheur. Nous t'en prions. Avec tout l'argent du monde, on ne fait pas des hommes. Mais avec les hommes, on aime et on fait tout. Nous te remercions pour le personnel de santé à l'œuvre depuis le début de la pandémie. Nous te remercions aussi pour le travail des chercheurs, afin qu'ils obtiennent des solutions durables pour le salut de tous. Nous t'en prions. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Thank you.
Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, tu as donné ces présents à ton Église pour qu'il puisse te les offrir. Daigne les accueillir favorablement, qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le trouvons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ses noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Oh.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit-Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre archevêque Benjamin, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité,
par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. 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 Unis dans le même esprit, nous osons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole que je sais.
Prions encore le Seigneur. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, soit notre délivrance et nous enracine dans ta vérité. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Yeah.